vous êtes très nombreux ce soir, je sais pourquoi. Boris Cyrulnik est venu, je crois, pour la quasi-totalité de ses ouvrages. Le dernier, donc le voici, vous l'avez sans doute peut-être déjà découvert, peut-être pas encore lu, en tout cas ça ne saurait tarder, Les âmes blessées. Boris Cyrulnik, Les âmes blessées, c'est un nouvel ouvrage qui en fait fait suite au précédent qui s'appelait donc Sauve-toi, la vie t'appelle, qui entamait, je dirais, un petit peu ce qu'on peut appeler vos mémoires, même si vous n'avez peut-être pas encore tout à fait l'âge d'écrire vos mémoires, mais enfin, je crois que vous avez encore pas mal de choses à nous dire. Toujours est-il que vous avez quand même commencé, et dans ce deuxième volet, Les âmes blessées, vous nous faites l'histoire, je dirais, de ce que vous n'appelez pas votre carrière. Vous n'aimez pas ce mot, vous préférez parler d'aventure psychiatrique. Je crois que vous allez nous expliquer pourquoi vous préférez ce terme, pour des raisons qui tiennent évidemment à la variété des expériences et puis aussi à la nature de votre approche de la discipline. Alors, je note que vous êtes aujourd'hui à Bordeaux en ce 9 janvier. Demain, c'est l'anniversaire de la rafle du 10 janvier 1944 qui a joué un si grand rôle dans votre existence. D'ailleurs, je signale qu'il y aura une manifestation dans la synagogue de Bordeaux dimanche. Donc c'est une manifestation annuelle à laquelle doit assister d'ailleurs le grand rabbin de France qui se trouve à Bordeaux depuis cet après-midi, où il a participé à la marche interreligieuse qui a eu lieu en début d'après-midi depuis la mosquée de Bordeaux jusqu'à la cathédrale en passant par la synagogue, en l'honneur évidemment des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo, et donc dans un contexte national extrêmement particulier. Voilà. Je le signale donc pour vous dire également que je crois que vous êtes vous-même appelé donc à Toulon, donc vous ne pourrez pas y assister, mais bien sûr je sais à quel point cette occasion donc vous tient à cœur. C'est donc intéressant de pouvoir donc présenter ce livre, Les âmes blessées, dans cette période-là quand même, et en cette période dans ce début d'année dont on espère qu'elle sera évidemment plus bénéfique que le début que nous venons de vivre. Vous avez dans ces âmes blessées, au début vous racontez que votre vocation de psychiatre, en disant que vous avez voulu devenir psychiatre presque tout jeune, tout de suite, que vous êtes... alors ça peut paraître extraordinaire, savoir à l'âge de peut-être 9, 10 ans, je ne sais pas, que l'on veut déjà exercer ce métier. Vous vouliez exercer ce métier pas de façon abstraite, mais de façon très concrète, parce que vous pensiez que la psychiatrie pouvait permettre d'expliquer le nazisme. Mais je crois, Boris Cyrulnik, que c'est une idée que vous avez abandonnée assez vite. Mais oui. Oui, parce que j'avais 11 ans quand j'ai eu cette idée, donc c'est pardonnable, parce que j'entendais dire autour de moi que j'entendais parler de la folie nazie. Donc je me disais, si je deviens psychiatre, je pourrais guérir le nazisme et empêcher la folie nazie de revenir. Donc, mais j'avais 11 ans. Aujourd'hui, je suis revenu de cette idée. Je pense que le déterminisme de cette folie, il existe encore, la preuve. On est en train de vivre un phénomène analogue, avec les mêmes mots, avec les mêmes phénomènes, les mêmes slogans, les mêmes méthodes. Donc ça existe encore. Je pense que les nazis ont perdu la guerre des armes et ils n'ont pas perdu la guerre des idées. Alors, vous vouliez devenir donc psychiatre dès l'enfance, mais évidemment, c'était encore une volonté un peu abstraite. Elle est devenue beaucoup plus concrète lorsque vous avez commencé vos études et lorsque vous avez commencé vos rencontres. Alors, ce que psychiatre vous l'êtes devenu, ça a été un long parcours, et c'est cela que vous racontez à travers beaucoup d'anecdotes, beaucoup de rencontres. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord pourquoi vous utilisez ce mot d'aventure psychiatrique plutôt que de carrière, avec vos mots? Parce que pour faire une carrière, il faut choisir... un tout petit réseau de connaissances, une toute petite cible, un patron puissant qui donne des postes dans les laboratoires, des revues qualifiante, c'est-à-dire que sachant le style de la revue, on sait ce qu'il faut dire pour que l'article soit accepté. Donc on appelle ça des publications de carrière. C'est sûrement nécessaire. C'est une police de la pensée. Hein. Ça permet de ne pas dire n'importe quoi, mais ça permet aussi de ne pas innover. Donc là, à cause de mon tempérament peut-être, j'étais mal formaté pour suivre une carrière, donc je préfère employer le mot d'aventure. Alors ça, je pense que ça désigne beaucoup plus ce qui m'est arrivé, parce que le hasard particulier fait que j'ai côtoyé tous les noms fondateurs de la psychiatrie.
C'est pas que j'étais meilleur que les autres, c'est parce qu'on était si peu nombreux, j'étais forcément parmi les meilleurs. C'est-à-dire que quand on a démarré l'éthologie humaine, on était 6 ou 7. Donc j'étais forcément parmi les 6 ou 7 meilleurs. Donc, mais alors ça m'a permis de rencontrer les neurologues, de participer, d'assister à la découverte des neuroleptiques, d'assister à la montée de la psychanalyse. Donc c'était une aventure passionnante. Alors vous parlez des débuts de la psychiatrie. On est fin des années 50, début des années 60. C'est l'époque où on parle encore où les hôpitaux psychiatriques sont totalement différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous avez connu les cris des fous, vous avez connu la paille qui jonchait les salles communes des hôpitaux psychiatriques. Vous avez connu tout ça. Alors, je l'ai vu, en tout cas, puisque quand j'hésitais, j'avais envie de devenir psychiatre, et j'avais rendu visite à Jean M., qui est un grand nom, c'est un vrai fondateur de la psychiatrie moderne, et je l'avais rendu visite dans l'hôpital Charcot, dans la grande banlieue parisienne, et je lui avais dit, j'ai envie de devenir psychiatre. Il m'avait dit, bon, ben, c'est peut-être un bon choix, mais voilà ce qui vous attend, suivez-moi pendant la visite. Et j'avais vu une visite absolument terrifiante, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'infirmiers, il y avait des gardiens qui tous avaient les cocards parce qu'ils ne faisaient que se battre. Il y avait des trousseaux de clés énormes, on ouvrait la porte, on refermait la porte. Il n'y avait pas de lit dans les hôpitaux, dans ces hôpitaux-là, parce qu'on pensait que c'était pas des vrais hommes, c'était pas des vrais êtres humains, donc on mettait de la paille, on enlevait le matin la paille, on faisait un coup de jet d'eau, on remettait de la paille fraîche, et on refermait à clé. Donc, bien sûr, comment voulez-vous soigner dans des conditions pareilles? On était à mi-chemin de l'étable et de la prison. Alors, non, c'était ce que Michel Foucault, qui a été agressif avec la psychiatrie, c'est un service qu'il a rendu à la psychiatrie, aux psychiatres et aux patients, en parlant, en dénonçant abusivement, il a exagéré, en dénonçant le grand enfermement. C'était utile, il a aidé à faire une réforme, mais c'était exagéré, parce que quand il parle de grand enfermement, ça existait bien avant Michel Foucault, et puis il faut remettre dans le contexte, hein, c'est-à-dire qu'avant, ceux qu'on appelait les fous étaient enfermés encore plus, ils étaient enfermés dans des caves, ils étaient enfermés dans des greniers, et j'ai vu à Nancy, Vuillaume à Nancy nous avait montré ce qu'on appellerait aujourd'hui probablement un autiste qui avait été emmuré, c'est-à-dire que les parents jetaient la nourriture par en haut et passaient un coup de jet d'eau par en bas. L'enfant avait 40 ans. Quand je l'ai vu, il était emmuré. Donc quand Michel Foucault dénonce, il a bien fait le grand enfermement, il a bien fait, il a été utile, il fallait le faire, mais le grand enfermement existait bien avant la loi de 1854, qui a été un progrès, parce que j'ai vu en Syrie, à Damas, j'ai vu un hôpital psychiatrique daté du Xe siècle. Et il y en avait d'autres, il y avait en Provence des boris, c'est-à-dire des maisons en pierre sèche, où les fous, parce qu'ils n'étaient pas malades, ils étaient fous, puisque le corps, le cerveau et l'âme étaient complètement séparés. Donc si quelqu'un disait des choses étranges ou avait des comportements étranges, c'est qu'il était puni par Dieu, puisqu'il n'y avait pas de jonction entre le cerveau. Et donc, s'il était puni par Dieu, c'est qu'il avait commis des péchés. Donc, c'était bien de l'enfermer, de le maltraiter. Personne ne protestait. Et Michel Foucault, en exagérant, probablement volontairement, a rendu service à la psychiatrie. Alors donc vous commencez votre aventure à un moment où donc la psychiatrie se transforme profondément, où il y a un désir quand même de libérer les fous, libérer les aliénés d'une certaine manière. Alors vous ne choisissez pas une carrière, vous l'avez dit, mais vous choisissez une discipline quand même, vous choisissez la neurologie. Alors oui, parce que c'était une discipline naissante. On pense encore avec la doxa, c'est-à-dire avec l'ensemble des opinions convenues qu'on accepte et qu'on récite sans jugement. Et on croit qu'on pense, mais on pense pas, on récite, on répète. Alors, cet ensemble de doxa, quand j'ai fini mes études de médecine, il y a forcément des gens de ma génération dans la salle et qui savent que la doxa, c'était cerveau touché, cerveau foutu. C'était pas la... Donc, avec une doxa pareille, c'était même pas la peine de soigner.
les gens avaient un trauma crânien, ils avaient une tumeur, ils avaient un hématome, ben voilà, c'était le destin, il fallait se soumettre, c'était pas la peine de les soigner. Ce qui n'empêchait pas des interventions sur le cerveau, hein. vous parlez notamment de la lobotomie qui a eu donc de beaux jours. Voilà. Dès l'instant où la lobotomie, il y a eu un prix Nobel pour la lobotomie, hein, et Gasmonis a eu un prix Nobel pour avoir inventé cette belle intervention chirurgicale qui dit qu'en coupant un morceau de cerveau, on supprime l'angoisse, ce qui est vrai. C'est parce que si on coupe le cerveau, comme les gens n'ont plus de vie psychique, ils n'ont plus d'angoisse. Donc c'est vrai. On obtient à la fois la sérénité, mais également la mort mentale. La mort psychique. Oui. Il y a eu un prix Nobel à cause de ça. Mais donc c'était un crime, bien sûr. Mais l'avantage, si j'ose dire, de ce crime, c'est que beaucoup de neurologues ont dit, mais donc on peut vivre après une lobotomie. Donc, puisqu'on peut vivre après une lobotomie, pourquoi ne pas tenter d'enlever les poches de sang, les tumeurs, les abcès, puisqu'on peut vivre? Et ça a été le point de départ de la neurochirurgie. D'accord. Donc au fond, la lobotomie a été une étape qui a permis de progresser, malgré tout. Alors, ça a été une découverte un peu... hasardeuse. Alors là, la science, elle n'a rien à dire. C'était des découvertes d'artisans. Alors justement, il y a un mot qui revient très souvent dans votre livre, et j'avoue que je n'en avais jamais entendu parler. Alors je suis allé voir dans le dictionnaire d'Alain Rey en 4 volumes. J'ai pas trouvé ce mot, et donc j'ai terminé sur Internet et j'ai fini par trouver la définition. C'est un mot très intéressant. Je vais le retenir. La sérendipité. Alors la sérendipité, ça vient de l'anglais et ça veut dire c'est ce qu'a fait Christophe Colomb quand il a découvert l'Amérique. C'est-à-dire qu'il est parti, il est parti en mer, il cherchait les Indes et puis il a trouvé l'Amérique. Et ben la sérendipité, c'est ça. Alors, et la sérendipité, ça a joué un grand rôle dans votre parcours. Alors, je pense qu'en médecine, c'est fréquent. Hein. C'est-à-dire que la situation de Christophe Colomb, il va acheter du sel et du poivre, il part pour l'Asie pour acheter, faire son marché, et puis il dit, tiens, en partant vers l'Ouest, peut-être que ça irait plus vite, et il trouve les Amériques. Donc voilà. Alors, les Anglais emploient beaucoup ce mot de sérendipité, et je fais un néologisme que j'ai... Vous savez que vous auriez pu utiliser un autre mot en français qui est fortuité. Il est moins bien. Il est moins bien. Le mot fortuité. Les choses sont fortuites. Voilà. Là, j'aurais tout de suite compris, mais sérendipité. Oui, mais fortuité, c'est moins bien que sérendipiteux. Parce que si j'ai fait un néologisme de sérendipiteux, parce que c'est pitoyable de faire des découvertes comme ça. Et on l'a fait en médecine, en psychologie, en psychiatrie particulièrement, on fait des découvertes sérendipiteuses. La plus grande, c'est la pénicilline. Hein. La pénicilline est un produit de la sérendipité. Oui, mais plein, beaucoup de... Le micro-ondes aussi, j'ai lu. Le micro-ondes. Oui, mais même le scanner, c'est l'ingénieur du son des Pink Floyd qui a joué un rôle majeur dans la découverte du scanner. Parce que comme il était ingénieur du son, il savait que en envoyant des ondes et en mettant une plaque de l'autre côté, on pouvait enregistrer les ondes et s'il y avait moins de densité, la plaque était moins fortement impressionnée. Et à partir de... C'est un ingénieur du son, c'est un musicien. C'est à partir de là qu'il a fait cette découverte du scanner. Mais là, on peut passer la soirée. Alors, je referme la parenthèse de la sérendipité, mais c'est pas tout à fait une parenthèse puisque ça joue quand même un rôle dans la progression de la science et notamment dans la psychiatrie. Oui. Ça joue un rôle important. Vous en parlez par exemple très longuement dans la découverte des psychotropes. Oui. C'est-à-dire que les médicaments qu'on a découverts, alors j'ai oublié leur nom, pardonnez-moi, mais ils ont des noms toujours compliqués. Mais il y a un certain nombre de médicaments très connus par les psychiatres qui à l'origine ont été des découvertes tout à fait fortuites. Hein, sérendipiteuses, qui ont connu une certaine fortune. Alors peut-être vous pouvez nous donner un ou deux exemples. Alors oui, l'exemple, le témoignage, c'est que Laboris savait que je m'intéressais à l'éthologie, puisque je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un des meilleurs éthologues de France, puis, et notamment en éthologie humaine, puisqu'en éthologie humaine, on était trois. Donc il savait que j'avais fait des publications d'éthologie humaine, il bavarde avec moi quand j'étais en neurochirurgie à Paris chez le professeur David, et puis il dit mais les marmottes, les ours consomment moins, ils ont un métabolisme de base qui diminue pendant l'hiver, ils consomment moins d'énergie pour survivre, or les interventions de neurochirurgie duraient 8, 10, 12 heures et beaucoup de malades mouraient
probablement parce qu'ils ne supportaient pas le choc opératoire de 12 heures le crâne ouvert, et puis aussi parce qu'on les endormait avec des barbituriques. Donc c'était des comas barbituriques de 10-12 heures. Donc il y avait une, comme disent délicatement les chirurgiens, il y avait beaucoup de casse. Et Laborie dit, mais le métabolisme de base était amoindri chez les marmottes, chez les ours, donc si on diminuait la consommation d'énergie chez les humains dont on ouvre la tête, peut-être qu'il y aurait moins de casse. Et alors il nous avait demandé, il avait fait des couvertures en plastique, et il nous demandait de mettre des glaçons entre les deux. Pour faire baisser la température corporelle. Pour faire baisser la température, et ça baissait beaucoup, sauf que les malades étaient moyennement contents. C'est-à-dire qu'on les mettait des couvertures de glace, et la température, et effectivement, il y avait moins de casse. Et puis, alors Huguenard, qui a joué un grand rôle aussi dans la découverte de l'anesthésie. Et Huguenard était là, et ils s'entendent tous les deux, parce que le rêve d'Huguenard, c'était de faire des anesthésies sans médicaments, ce que beaucoup de médecins commencent à faire d'ailleurs, sous hypnose ou avec très peu de médicaments. Ils arrivent maintenant à faire des anesthésies sans médicaments ou avec très peu de médicaments. Et Huguenard, donc, nous disait, c'était ce qu'il appelait le cocktail lithique. Alors, c'était l'ergactyl, dolosal et fénergan. Alors, nous, on l'appelait le barman, puisqu'il nous disait de faire un cocktail. Donc, on l'appelait le barman. Et je me rappelle un jour, il y avait un réunionnais qui avait une tumeur bénigne, un méningiome, sauf que la tumeur bénigne, elle était grosse comme une orange. Donc, une tumeur bénigne grosse comme une orange, c'est plus bénin. Ça écrase tout dans le cerveau, c'est plus bénin. Et le gars avait très peur de se faire ouvrir la tête et fouiller dans le cerveau. On peut se demander... On peut le comprendre. et alors, j'arrive, et Huguenard, je prescris le cocktail du barman, et puis je reviens bavarder avec le patient, comme ça, pour lui dire un mot en passant, et le gars me dit, écoutez, avant, j'avais très peur de me faire ouvrir la tête, mais depuis que vous m'avez mis ça, je m'en fous éperdument. Et si c'est pas une découverte sérendipiteuse, ça. Et à partir de ce, est-ce qu'on peut dire raisonnement, à partir de ce constat naïf, Huguenard a dit, mais il y a quelque chose à perfectionner, et là, on est parti, enfin, ils sont partis d'une molécule que les Américains avaient récusée, parce que c'était une molécule qui devait servir à teindre les tissus. Et elle était mise au placard, c'est-à-dire qu'elle allait être abandonnée, et un chercheur a dit, mais ça fait baisser la température aussi, voilà ce qu'il nous faut. Et ça a donné le Largactyl. Alors, le Largactyl a été un immense progrès, parce que je témoigne qu'avant le Largactyl, dans les hôpitaux psychiatriques, il n'y avait que de la violence. Violence extrême. Il n'y avait pas de relation humaine. Enfermement. Que de la violence. Bagarre physique. Les non-fous avaient peur des fous. C'était vraiment... Michel Foucault avait raison. Et puis, lorsque les neuroleptiques sont rentrés dans les hôpitaux, les services qui ont accepté les prescriptions neuroleptiques, en quelques semaines, les cris et les bagarres ont disparu. Et assez paradoxalement, dès l'instant où on a découvert qu'on pouvait parler avec ces gens et qu'il fallait parler avec ces gens, la psychanalyse est rentrée dans les hôpitaux. La psychanalyse. Pas les psychanalystes qui, eux, étaient tous boulevard Saint-Germain et dans les beaux quartiers. Mais les idées psychanalytiques sont rentrées dans les hôpitaux parce que Jean M, d'autres psychanalystes, ils étaient ni psychiatres, ni universitaires, tous ces gens-là. Hein. J'aimerais que vous me parliez de Vol au-dessus d'un nid de coucou, parce que vous avez plusieurs pages sur ce film qui avait quand même été un film marquant. Vous avez parlé de la haine de la psychiatrie et des hôpitaux psychiatriques. Vous aviez vu ce film de Milos Forman qui a été vraiment un grand succès à l'époque. Je me rappelle plus d'ailleurs la date. Je crois que c'est dans le milieu des années 70. Expliquez-moi pourquoi ce film à la fois vous avez intéressé et pourquoi finalement vous l'aviez critiqué aussi. Alors, le film est un chef-d'œuvre. Hein. Il y a des gens qui ont dû le voir dans la salle. C'est poignant, tellement ce film est poignant, cohérent, et pose un vrai problème. Le film est remarquable, mais Milos Forman... Donc, il parle de l'évasion d'un hôpital psychiatrique. Hein. Voilà. Milos Forman, un jour, assiste, je ne sais pas où, dans un grand magasin, une femme, chef de rayon, humilie ses vendeuses, ses employés.
elle jette les dossiers par terre, elle les insulte et les employés se laissent humilier parce qu'elles ont besoin de leur salaire à la fin du mois, pour des raisons que j'ignore, mais voilà. Elle ne se rebelle pas et elle se laisse humilier. Cette femme impose un plaisir sadique en humiliant constamment ses les vendeuses. Et Miloš Forman dit qu'il reste des heures en train d'observer cette femme, probablement sadique, en train de s'offrir des petits plaisirs. Et alors, il a voulu transposer ça. Il dit, mais il faut que j'en fasse un film. Et il est ami avec deux chefs de service en psychiatrie, Rose, c'est un anglais, je ne sais plus qui lui disent, mais si tu fais ce film dans un grand magasin, ça va intéresser personne. Tu fais ce film dans un hôpital psychiatrique, le contexte sera poignant, sera fort, et peut-être tu pourras nous aider à faire connaître la situation de la psychiatrie pour qu'on soigne un peu moins mal. Marché conclu, et il fait ce magnifique film dans des hôpitaux psychiatriques. Sauf que, avec Jack Nicholson, on se souvient. Avec Jack Nicholson, sauf que ce film, les gens, quand j'ai vu ce film, j'avais la gorge serrée tellement ce film était bien et criant, si on peut dire, de vérité. Et sauf que à la fin du film, quand j'ai vu tous mes voisins qui avaient le nez rouge et les yeux rouges l'avoir pleuré, je me suis dit, mais si je leur dis que c'est pas comme ça dans les hôpitaux psychiatriques, j'ai aucune chance d'être entendu. C'est-à-dire que ce film a déclenché une haine des psychiatres et des hôpitaux psychiatriques au moment où, justement, les psychiatres commençaient enfin à être utiles. Est-ce que Miloš Forman avait vraiment voulu ça ? Sans doute pas. Non, il n'avait pas voulu ça du tout, puisque je l'ai entendu au Brésil il y a 2 ans ou 3 ans, il n'y a pas longtemps, je l'ai entendu au Brésil dire « je voulais faire une métaphore du système communiste où les petits chefs se permettaient tout ». Et le vol au-dessus d'un nid coucou était pour moi une fable qui me permettait de dénoncer les petits chefs communistes. Mais le public n'a pas du tout suivi sur cette voie de la métaphore. Hein. Il a pris les choses au premier sens. Comme au moment des premières pièces de théâtre où on agressait quand un comédien était méchant, les gens l'attendaient à la sortie pour lui casser la figure. Donc Alors, ce que vous dites, c'est qu'il y a à l'époque du film de Miloš Forman, et déjà depuis quelques années, une évolution considérable sur le terrain des hôpitaux psychiatriques et du traitement des maladies mentales. Alors, dans votre livre, on rencontre une quantité de personnages connus ou moins connus. Alors, très connus comme Jacques Lacan, par exemple, moins connus comme Pierre Deniker ou Henri Hay. Ces personnages sont restés dans votre mémoire et dans votre formation parce que vous les avez rencontrés, vous avez travaillé avec eux, ou en tout cas vous avez suivi leurs travaux, vous vous en êtes parfois inspiré. Comment vous les avez rencontrés, par exemple Lacan, parlons de Lacan. Alors je vais commencer par ma rencontre avec Deniker. C'est que pour savoir si je voulais faire psychiatrie, je m'étais inscrit à un stage quand j'étais étudiant en médecine, un stage de psychiatrie. Et je passe l'examen et j'avais un peu lu, j'étais débutant, j'avais un peu lu et Deniker me dit formule chimique du nosinor. J'ai été moyen, moins. C'était un professeur, hein, Deniker, c'était un grand professeur. Parce que c'était une des premières molécules qui venait de sortir et moi je m'imaginais pas que la psychiatrie consistait à apprendre des formules chimiques de produits. Alors ma réponse a été, on va dire moyenne, pour pas dire pire, il m'a collé. Et il me dit, et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Psychiatre, faites autre chose. Alors, et quelques années plus tard, j'étais interne, et à Marseille, il y avait un congrès national, et c'était une de mes premières publications d'éthologie humaine, donc une des meilleures, et je fais la publication. Et il y avait, vous savez, il y a une topologie des salles dans les congrès ou dans les universités. Donc les professeurs au premier rang, au fond, donc les étudiants. Alors au premier rang, il y a les professeurs et les agrégés. Au deuxième rang, il y a les chefs de clinique et ceux qui espèrent devenir professeurs. Et au fond de la salle, il y a les internes et les étudiants qui taquinent les infirmières. Alors ça, c'est... ça, c'est la topologie des congrès et de toutes les salles universitaires. Et je fais mon topo à la demande de Sutter, qui m'avait donné un petit poste d'enseignant à Marseille, et je fais une des plus brillantes publications d'éthologie de l'époque, et j'entends Deniker
enfin non, Adiba, Elisabeth Adiba, qui était chef de clinique, donc au deuxième rang, entend Denis Kerr, qui est un des inventeurs de la psychopharmacologie, se pencher vers Sutter et lui dire « Cette publication est remarquable, tu devrais le prendre dans ton équipe. » Moi, le gars qu'il avait collé quelques années auparavant en lui disant « Ne faites pas psychiatrie », grâce à lui, Dufour me téléphone et me dit « On voudrait vous prendre dans l'équipe d'enseignants ». Alors je dis, ben ça tombe bien, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la psychiatrie. Pas question, vous enseignerez l'éthologie. Donc voilà comment j'ai été nommé. Alors ça, c'est une aventure, c'est pas une carrière universitaire. C'est-à-dire j'ai été nommé tout simplement parce que j'étais le meilleur. Alors vous faites partie, vous avez parlé d'éthologie, vous faites partie donc de ces praticiens qui ont voulu qu'on s'intéresse de très près donc au comportement animal pour non pas pour le transposer à l'homme, mais en tout cas pour en tirer des enseignements. C'est une discipline qui s'est beaucoup développée aujourd'hui, mais qui à l'époque, là on parle des années 60 encore. Hein. Alors. Elle s'est développée... Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que beaucoup de gens me disent « Pourquoi est-ce que vous avez fait ce tour par le monde animal ?» C'est pas un tour, c'était un préalable. On a les mêmes bases du cerveau, le tronc cérébral, les mêmes que les oiseaux. Les tubercules quadrijumeaux, pour les médecins qui sont dans la salle, les tubercules quadrijumeaux des oiseaux sont les mêmes que les nôtres. Ça nous sert à voir, à entendre. On a la même cupule diencéphalique, c'est-à-dire la coupe qui est à la base du cerveau. On a la même que la plupart des animaux. C'est une cupule qui reçoit la sécrétion des neurohormones sécrétées par notre cerveau. C'est les mêmes substances, c'est la même cupule. On a le même cerveau des émotions que tous les mammifères, avec la même fonction. On a peur, on se met en colère, on joue, on se reproduit, on protège les petits, on cherche à manger exactement, c'est le même cerveau, les mêmes substances qui provoquent les mêmes émotions. Mais nous, en plus, on a ce qui caractérise la condition humaine, c'est-à-dire c'est la création des représentations verbales. On vit dans un monde de mots, c'est ça qui caractérise la condition humaine. Et c'est pour ça que aucun de nos bébés ne parle le jour de sa naissance. Vous avez sûrement remarqué, il faut 20 mois pour que les petites filles parle un petit peu avant les garçons, puisqu'à 17 mois, elles ont déjà 50 mots et un début de phrase, alors que les petits garçons ne font cette performance qu'à l'âge de 22 mois. Mais ça reste entre nous, hein. Faut pas que ça sorte de la salle. Donc ça veut dire que nos enfants, pourquoi est-ce que nos enfants ont besoin de 20 mois pour tenter l'aventure de la parole? C'est qu'il faut qu'avant, il y a tous les préalables se mettent en place. Et que ce que je viens de dire n'est pas vrai, il y en a un qui a parlé le jour de sa naissance, c'est Pantagruel, qui à peine né s'était crié « à boire, je veux du bon vin ». Mais à part Pantagruel, tous nos enfants attendent 17 mois pour les filles, 22 mois pour les garçons. Et alors vous disiez que l'éthologie donc avait ouvert des horizons et qu'en même temps elle n'avait peut-être pas été, elle ne s'était peut-être pas développée autant que vous l'auriez souhaité. Pourquoi ? Parce que pour développer les disciplines qui rentrent dans la culture ne sont pas forcément les plus pertinentes et les plus brillantes, ce sont les mieux défendues par un appareil politique. C'est-à-dire que il y a eu des grands chefs. Freud était un grand chef. Même si la psychanalyse a été une révolution culturelle et une grande utilité pour beaucoup de gens, Freud était un grand chef. Il s'est comporté comme un chef, il avait sa réunion du mercredi soir, il éliminait les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, il a organisé des congrès, il a monté des revues, c'était un chef. Changeux était un chef à qui Mitterrand a donné un grand pouvoir, il a fait des laboratoires, il a fait des revues, etc., etc. Moscovici, en psychosociologie, était un chef, et voilà, etc. Donc, en éthologie, il y avait des gens absolument passionnants, il y avait une demande culturelle énorme, notamment les philosophes étaient très intéressés par l'éthologie animale, pour une raison bien simple, c'est que ça leur permettait de poser le problème de la conscience. Ça leur permettait de poser le problème du langage. Est-ce que les animaux ont un langage? Cette question est encore en débat. Et la réponse, j'espère, va vous surprendre. Les animaux ont un langage préverbal.
Et j'étais avant-hier à l'école des hautes études avec des linguistes et je leur ai demandé est-ce que cette expression est idiote. Ils m'ont tous répondu, elle est totalement pertinente. C'est-à-dire que nous, êtres humains, ça fait 2,5 millions d'années qu'on est sur Terre et on a encore une espèce, l'espérance de vie d'une espèce est de 7 millions d'années à peu près. Donc on a encore un peu plus de 4 millions d'années à tirer avant de disparaître. Je commence à avoir des angoisses. Je me dis, mais... pendant le langage est apparu il y a 400 000 ans. Pendant plus de 2 millions d'années, comment on a fait pour vivre ensemble ? Eh bien, on a communiqué comme les animaux, par les cris, les postures, les mimiques. On a sémantisé nos gestes, on a sémantisé les cris, on a sémantisé notre corps. Comme on le fait encore d'ailleurs. On sémantise le corps, c'est-à-dire que on fait parler nos décorations, la manière dont on s'habille. On fait, même quand on est être humain, on sémantise tout. Les animaux aussi. Ils sémantisent les images, les cris, les odeurs. Et nous, on sémantise en plus les sonorités dont on fait des mots. Mais quand on est humain, on sémantise absolument tout. On sémantise les poils. Vous avez les poils d'extrême gauche et puis vous avez les poils d'extrême droite. C'est-à-dire qu'on fait parler les poils. Mais donc ça veut dire qu'on vit dans un... Alors on partage avec les animaux toute la base fondamentale de notre aventure d'être vivant et on crée le monde humain avec la parole. Mais ils ont, eux, un langage préverbal. Alors donc l'éthologie a beaucoup donc joué dans vos découvertes, en tout cas dans la définition que vous faisiez de la psychiatrie dans votre parcours. On est donc vous êtes d'ailleurs partisan du croisement des idées, du croisement des disciplines, du croisement des approches. Vous dites à la fin du livre que finalement le grand malheur, et vous n'êtes pas le seul à le dire, que le grand malheur c'est le morcellement des savoirs, hein. C'est-à-dire que évidemment, c'est très utile de morceler les savoirs pour progresser vers des positions de pouvoir, souvent, de savoir, mais de pouvoir. Et puis, qu'il est sans doute plus utile pour faire progresser les sciences, la psychiatrie en l'occurrence, de croiser les... Alors, est-ce que vous avez l'impression, ayant dit ça, est-ce que vous avez l'impression que vos propres théories, vos propres approches, alors je parle de la résilience dont vous avez beaucoup parlé, la théorie de l'attachement dont vous n'êtes pas l'inventeur, mais donc vous avez développé, est-ce que tout ça vous paraît vraiment bien accordé à cette pensée du croisement des disciplines ? Est-ce qu'on est vraiment en plein dedans ? Alors, c'est la réponse à votre première question. Si on veut faire une carrière, c'est une mauvaise stratégie. Si on veut faire une carrière, il faut être hyper spécialiste. Moi, j'ai été praticien. Ça n'a pas toujours été vrai. Hein. Ça l'est devenu. Voilà, l'évolution des sciences, c'est la fragmentation, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre maintenant qu'on ne peut pas tout savoir. Donc, pour faire une carrière, il vaut mieux être spécialiste. Pour être praticien, il vaut mieux être généraliste. C'est-à-dire que pour être praticien, et comment se représenter le monde mental d'un être humain ? Est-ce qu'on peut se représenter le monde mental d'un être humain avec la biologie seulement ? Oui, c'est partiellement vrai, la biologie existe, hein, c'est partiellement vrai, c'est totalement faux. On ne peut pas réduire l'homme à sa dimension biologique, même si elle existe. Est-ce qu'on peut se représenter le monde mental humain par la parole ? Bien évidemment, la parole constitue le monde humain. Est-ce qu'on peut parler sans cerveau ? Vous avez essayé ? Donc, c'est impensable. Donc, est-ce qu'on peut parler ? Ceausescu a fait cette expérimentation tragique. Pour des raisons politiques, il a condamné à l'abandon des centaines de milliers d'enfants. J'en ai vu. Beaucoup. Et ces fameux orphelinats qu'on a découverts après 1989 en Roumanie avec des enfants totalement désocialisés. Ils n'avaient jamais été socialisés. Ils ont été mis dans ce mouroir abusivement appelé orphelinat, parce qu'il y a des orphelinats qui font très bien leur travail. Là, ils ont été mis dans des mouroirs que j'ai vus où on ne leur parlait pas, on ne jouait pas, on ne les éduquait pas. Ils avaient droit à une soupe tous les midis, en batterie, et les gens passaient et leur jetaient. Si je fais ce geste, c'est parce que la personne, l'adulte, passait derrière, les gamelles étaient déposées sur un banc, et elles jetaient la soupe dans la bouche des bébés,
qui, au lieu de faire ce geste-là, comme on le fait en Occident, ils faisaient ce geste-là pour attraper la soupe en arrière. Donc, c'était leur seule humanisation. Pas de parole, ils étaient auto-centrés. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'altérité, comment voulez-vous qu'ils soient autre chose qu'auto-centrés sur eux-mêmes. Donc, ces enfants sains, au cerveau sain, génétiquement sain, biologiquement sain, étaient tombés gravement malades de l'absence d'autres. Puisqu'il n'y avait pas d'autres, ils ne pouvaient rien développer de leurs compétences totalement saines. Alors ça, c'est un raisonnement qui montre qu'on ne peut pas fragmenter le savoir. Nous, praticiens, on est obligés d'intégrer le savoir. Et alors là, on a besoin, dans mes groupes, dans les groupes que je manage, il y en a quand même plusieurs, autour d'une table, il y a le biologiste, le psychologue, la psychanalyste, l'anthropologue, chacun reste spécialiste, mais sait que l'autre spécialité existe. Comme un médecin de médecine générale. Il doit savoir un peu de tout, mais il n'est pas spécialiste en tout. Donc en croisant les expériences, donc on peut aller plus loin, c'est ce que vous expliquez dans le livre. Également, vous étiez aussi parti de quelques intuitions. Il y en a, j'en ai relevé deux. Celle qui consiste à dire qu'il y a une grammaire du cerveau, et puis l'autre qui consiste à dire qu'un cerveau qui est lésé n'est pas forcément fichu. Donc c'était les deux intuitions que vous vouliez vérifier. C'est bien ça. Alors, cerveau touché, cerveau foutu, c'est ce que j'ai entendu quand je débutais, où j'entendais des Philippon, qui est devenu un membre de l'Académie de médecine important, un membre important, disait, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment c'est vrai? La réponse très rapide, ça a été, mais non, c'est faux. Donc, cette réponse banale a été une révolution. Changer d'épistémologie, c'est-à-dire changer de manière de recueillir le savoir, eh ben Philippon s'est dit, Pertuiset s'est dit, mais c'est peut-être pas vrai. En revanche, il y avait énormément de lobotomie, même quand la loi a interdit la lobotomie, jusqu'à la diminution des accidents de voiture, avant, quand la vitesse était autorisée, il y avait presque 3000 lobotomies par an provoquées. Il faut dire aussi que le casque n'était pas obligatoire, hein. Alors, oui, mais... Les motards, il y avait énormément d'accidents, et les motards, souvent, étaient sans casque, oui. Et donc, il y avait des accidents au cerveau, des chocs au cerveau considérables, un peu toujours les mêmes, d'ailleurs. Oui. Le casque n'était pas obligatoire pour les motards, parce que dans les voitures, c'est... Je parle des motards. On a le droit de prendre sa voiture sans casque, même. Voilà. Oui, mais je parlais des motards. Oui. Il y avait beaucoup plus d'accidents. Et puis, les accidents, c'était ou bien les gens se tapaient le front et il y avait deux hématomes, comme des bleus, quoi, puis le sang se résorbait, il y avait deux trous à la place des fronts. Il y avait une lobotomie qu'on voyait sans difficulté. Le scanner est apparu beaucoup plus tard, mais on faisait des encéphalographies gazeuses et on voyait des trous à la place. Il n'y avait plus le préfrontal. Ou alors les gens se tapent latéralement et on voit le sang se met dans ce qu'on appelle l'amygdale, c'est-à-dire une amande qui est à la face interne et profonde et en bas du cerveau, cette amande saigne et quand le sang se résorbe, il y a un trou. Et les troubles ne sont pas les mêmes. Quand il y a un trou à la place de l'amande qu'on appelle rhinencéphalique à la base du cerveau, c'est le socle neurologique des émotions, comme chez les animaux, comme chez les mammifères, exactement pareil. S'il y a un trou à la base, les gens ne peuvent plus éprouver la moindre émotion. Et quand on parle avec eux, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Je regrette l'époque où je souffrais, parce qu'au moins je me sentais vivant. Quand je n'ai plus d'émotion, je souffre plus, je suis en mort psychique. Alors au point de vue philosophique, ça rejoint Kierkegaard, dont vous êtes prié de ne pas poser trop de questions, hein, sur Kierkegaard. Donc ça rejoint Kierkegaard qui disait que l'angoisse fait partie de la condition humaine, et que vouloir liquider l'angoisse uniquement... exclusivement avec des médicaments, c'est une absurdité totale. On peut évidemment se poser la question de savoir s'il faut supprimer l'angoisse par des médicaments. Par contre, supprimer la douleur, oui. Alors absolument. C'est-à-dire que... Parfois, il y a des gens qui sont tellement mal, qui souffrent tellement, qu'un peu de médicament momentanément peut les aider. Et avec Stanislas Tomkevitch, et surtout Hennequin, c'est surtout lui qui a été le leader, on a fait partie des premiers à militer, à dire qu'il fallait donner de la morphine aux cancéreux.
ce qui peut paraître évident aujourd'hui, eh bien, je fais partie d'une génération où, quand j'étais neurologue à l'hôpital de Toulon-la-Seyne, quand je disais qu'il fallait donner des tranquillisants aux cancéreux parce qu'ils souffraient tout le temps et que leur souffrance faisait souffrir leur famille, le chef de service s'opposait à moi en me disant « je ne suis pas un narcotrafiquant ». Alors, je disais « mais il a une espérance de vie de combien ? 3 mois ?» Donne-lui des kilos tranquillisants, donne-lui de la morphine, donne-lui tout. Voilà, on était dans ces débats-là il n'y a pas longtemps encore. Alors maintenant, on évolue un peu et on combat la douleur, parce que la douleur était rédemptrice dans notre culture, comme dans beaucoup d'autres cultures. C'est la douleur, les femmes devaient souffrir en accouchant, parce que la douleur était rédemptrice, et il y avait beaucoup d'articles qui disaient « une femme qui souffre se grandit ». Tiens, tu parles. Et il y avait, surtout, il y avait Indolore Pariès. Et quand Lamaze est rentré, alors là, ça au point de vue sérendipiteux, alors là, vous allez voir, Lamaze est communiste, donc il va en URSS, et il voit une femme accoucher sans douleur. Et il revient bouleversé, parce qu'il dit, mais donc c'est possible, puisque j'ai vu une femme accoucher sans douleur, donc c'est possible. Et il fait une publication à propos de un cas. Vous connaissez aujourd'hui une revue qui accepterait une publication ? Alors, il fait une publication à propos de un cas, et il est descendu en flammes par les médecins qui disent « c'est pas possible », par le clergé qui dit « c'est pas moral, une femme doit souffrir, c'est pas moral ». Et ceux qui viennent au secours de Lamaze, c'est les communistes, et la CGT finance une clinique, la clinique des Bleuets, où là, c'est pas une femme, mais il développe toute une méthode d'accouchement dit sans douleur. Accouchement sans douleur, c'était un peu vite dit, hein. Mais ça voulait dire elles peuvent maîtriser une grande partie de la douleur, ce qui était un immense progrès. Avec des méthodes en partie médicamenteuses. Avec des méthodes pas toujours médicamenteuses, mais comme vous l'avez dit, en partie médicamenteuses, mais pas obligatoirement. Par exemple, maintenant, beaucoup de jeunes femmes demandent à ce qu'on prépare la seringue pour si elles perdent pied, et qu'on ne leur donne pas tant qu'elles peuvent maîtriser l'accouchement. Donc elles deviennent maîtresses de leur corps pour la maternité et pour l'accouchement. Donc c'est un immense progrès. Alors, on a parlé de la sérendipité pour le progrès de la science, et donc dans le cheminement d'une aventure psychiatrique, ou médicale en général. Mais il y a aussi ce que vous insistez beaucoup dans le livre, sur le fait que les théories que l'on développe, elles sont aussi très indexées sur l'expérience personnelle. Alors là, je reviens évidemment à vous et à votre parcours particulier qui a joué, dont c'est ce que vous avez dit au départ, avec votre souhait de guérir le nazisme, enfin en tout cas d'expliquer le nazisme, voilà. Et donc il y a dans toute théorie et dans le développement de toute théorie une dimension incontestable qui est liée évidemment à la. Alors je ne sais pas si il faut parler de la psychologie de la personne ou en tout cas sur ton histoire, de ses rencontres, en tout cas de quelque chose qui est fondamental. Donc dans votre cas, en tout cas, c'est quelque chose qui vous frappe depuis le départ. Ça. Alors oui, pour mon aventure personnelle, c'est vrai, mais c'est vrai d'une manière générale pour ma spécialité, parce que l'objet du cardiologue est hors du cardiologue. C'est le cœur de l'autre qui a une artère bouchée, c'est le cœur de l'autre qui conduit mal l'électricité. L'objet du psychiatre n'est pas hors du psychiatre. Si je suis un psychiatre homosexuel, je vais être touché par un patient homosexuel, et ses souffrances vont évoquer les miennes. C'est-à-dire que ce que le patient homosexuel raconte, je parle de moi. C'est-à-dire que ce qu'il me dit en souffrant parle de ce que j'ai connu. Donc l'objet, si je suis psychiatre homophobe, c'est l'autre, il est fou pour être homosexuel, hein, vous êtes d'accord. Ou alors, donc, c'est sûrement qu'il a une maladie endocrinienne, on nous apprenait ça. S'il est homosexuel, c'est qu'il a une maladie endocrinienne. Alors, ou alors, ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps dans ce beau pays du Maroc, il est normal de mettre en prison les homosexuels puisque ce sont des pervers dangereux. Donc ça veut dire que si je suis psychiatre homosexuel, le patient souffrant parle de moi. Donc, le dépressif souffrant parle de moi, le psychotique parle de moi. L'objet du psychiatre n'est pas hors du psychiatre. D'où l'intérêt de la psychanalyse dans la formation de la plupart des psychiatres. Mais ça veut dire aussi que
on peut se laisser piéger par ça, c'est-à-dire qu'il y a des engagements idéologiques avant même toute démarche scientifique. Peut-être avant de vous passer la parole, encore peut-être une question sur la psychanalyse. Vous avez parlé de Freud comme d'un chef. Hein. Vous avez parlé aussi de vous n'avez pas parlé de Lacan. On n'a pas eu le temps d'évoquer le personnage de Lacan. Enfin bon, il y aurait beaucoup à dire sur lui, bien sûr. Et puis, mais vous parlez assez souvent dans le livre aussi de la psychanalyse en tant que discipline, en tant que voie d'accès aux maladies mentales. Quelle est votre position alors un peu en résumé sur l'apport et l'intérêt de cette discipline? Alors, j'emploie plus l'expression maladie mentale. Elle était pertinente au 19e siècle, mais maintenant, il n'y a plus de méningite de syphilis, sauf qu'elles sont en train de réapparaître. Il n'y a plus de méningite tuberculeuse, il n'y a plus de folie urémique. On ne savait pas soigner les maladies des reins. Donc, l'urée s'accumulait, provoquait des confusions, des délires et des hallucinations, et on appelait ça la folie urémique. Maintenant, on soigne les reins et la folie urémique est disparue. On avait aussi un mot délicat, qu'on appelait les crétins des Alpes. Le crétinisme, c'est parce que ce mot délicat désignait un ralentissement intellectuel, parce que les gens avaient un... C'était un manque d'iode dans la thyroïde, c'est ça? C'était un manque d'iode, parce que l'eau manquait d'iode, et depuis que légalement il faut mettre un peu d'iode dans le sel, il n'y a plus de crétins des Alpes. Je croyais que c'était les mariages endogamiques. Alors, dans les vallées alpines et pyrénéennes, non, et de l'Himalaya. Alors, ça joue un rôle pour la luxation de la hanche. Ah bon. C'est-à-dire que... Ah, c'est autre chose. Là, c'est presque ce que vous dites. Hein, entre là. Mais ce qui a guéri la luxation de la hanche, c'est le vélo moteur. Parce que les garçons allaient courtiser les filles du village d'à côté, et que du coup, le gène de la luxation de la hanche, même s'il existe encore, il ne s'exprime plus. Parce qu'on va épouser au loin. Merci la mobilette. Alors, je reviens à la psychanalyse. Alors oui, quand j'étais à Paris, j'avais un assistant qui s'appelait Messimi. Et Messimi, il y avait une fois par semaine, il y avait un monsieur curieux qui venait lui rendre visite. Et ce monsieur était curieux. C'était l'époque où la neurochirurgie n'existait pas. Et il y avait des salles de 60 lits. C'est-à-dire que c'était presque la même horreur que les hôpitaux psychiatriques, puisqu'on pensait que ce n'était pas la peine de soigner ces gens. Donc, il y avait des tubes dans le cerveau, et le sang ou le pus coulait par terre. Donc, c'était vraiment... ça n'existait pas. Mais il y avait un monsieur qui venait, et il venait vers 1h, chercher Messimi, et c'était l'heure des plateaux, du bruit, des infirmières, les médecins, les familles qui arrivent. C'est l'heure bruyante des services hospitaliers. Et puis arrivait ce monsieur, et il se mettait dans le chambranle de la porte, et toc, tout le monde regardait, il avait une présence qu'on palpait. Et ce monsieur, c'était Lacan. Alors moi, je ne savais pas qui était Lacan, donc je ne savais pas ce que c'était la psychanalyse, je palpais sa présence. Donc, et ce monsieur, ensuite, il était pataud, il était maladroit avec son corps, et il adorait Messimi, parce qu'il posait à Messimi que des questions de nœuds. C'est-à-dire qu'il était déjà... C'était tout ce qui était compliqué l'intéressait. C'est-à-dire que alors il posait des questions. Alors la commande du regard, ça l'intéressait beaucoup, parce que pour lever l'œil en haut à droite, il faut qu'il y ait une dizaine de neurones qui se croisent, qui inhibent les autres. Enfin, c'est très compliqué. Pour le regarder en bas et à gauche, et c'est des performances intellectuelles très grandes. Ça passionnait Lacan. Alors, et il avait un charisme, une présence extraordinaire. C'est-à-dire que, quoi qu'ils disent, il y avait des gens... Alors, comme tous les gens qui ont beaucoup de charisme, il y avait des gens qui étaient bouche bée, ils pouvaient dire n'importe quoi. Ah, c'était merveilleux. Et des gens qui étaient exaspérés par ce qu'ils disaient. Et c'était dû probablement à sa personnalité. Alors, les Américains parlent maintenant de personnalité polarisante. Ils disent que Hillary Clinton est comme ça. Quoi qu'elle dise, il y a des gens qui l'adorent. Enfin, vous dites que Lacan, au début, c'était très clair ce qu'il disait. Il écrivait clairement, il parlait clairement. Alors après, il est devenu une sorte de pitié où les verbes, les constructions de phrases et les mots devenaient plus obscurs. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, j'ai sa thèse chez moi et elle est très lisible. Et son intérêt, c'est qu'elle ne soit pas lue. Parce que les idées n'étaient pas terribles. Alors qu'effectivement, dès qu'il a employé un langage nostradamique,
Nostradamus, on peut dire Nostradamus. Oui, Nostradamique, oui. Vous sérendipiteux, Nostradamique. Voilà, vous chercherez dans, voilà, votre, chez, votre, dans Alain chez votre Ray, copain ou Wikipédia, vous lui demandez. Non, je préfère Alain Ray en 4 volumes. Vous demanderez, donc, il parle comme Nostradamus, et là, il a provoqué de l'amour et de la haine. Mais alors, donc la psychanalyse, c'est pas seulement Lacan, bien sûr. Alors, la psychanalyse, bien sûr, était une énorme découverte culturelle qui a marqué la culture occidentale et plus. Et l'avantage de la psychanalyse, c'est que ça a été la première discipline à dire il y a quelque chose à comprendre. Ils sont pas punis par Dieu, c'est pas le cerveau qui marche mal, c'est pas une tare, il y a quelque chose à comprendre. Alors ça, c'est une révolution. Beaucoup de gens s'épanouissent dans la psychanalyse. J'étais à Lausanne il n'y a pas longtemps, et vous savez que dans les congrès ou dans les réunions scientifiques, les communications importantes se font au restaurant. C'est-à-dire que quand là on peut dire ce qu'on pense, on est autour d'une table, et là enfin on parle vrai. Et il y a un jeune professeur de géographie qui est une science humaine magnifique, et ce jeune prof, au cours du bavardage, dit « on devrait interdire la psychanalyse, j'ai tenté 6 mois de psychanalyse, ça me faisait tellement souffrir que j'ai failli me suicider ». Stupeur autour de la table, et 2-3 personnes, dont la femme du prof inviteur, dit « mais moi, je pensais qu'à la mort avant la psychanalyse, dès que j'ai commencé une psychanalyse, je me suis senti mieux ». Alors ça veut dire que il y a des gens qui s'épanouissent grâce à la psychanalyse, merci la psychanalyse, elle a provoqué la révolution culturelle, elle aide beaucoup de gens, elle marque la littérature, elle marque notre manière de penser, et les journalistes utilisent beaucoup les métaphores et des phrases de psychanalyse, puisqu'on pense avec ça. Donc merci la psychanalyse, et pas merci la psychanalyse, quand malgré Freud qui disait que la psychanalyse ne doit pas rentrer à l'université, après mai 68, la psychanalyse est entrée à l'université, et à ce moment-là, il y a eu des publications de carrière, c'est-à-dire que c'était plus des publications... Donc on a dérivé, oui. C'était plus pour soigner, pour aider les gens, c'était pour faire sa carrière. Donc je rappelle ce livre, donc Les âmes blessées aux éditions Odile Jacob, 330 pages, 22,90 €, c'est pas cher, et je vous encourage à le lire, il est passionnant. Merci Boris Cyrulnik.